Le vieux cimetière de Lucéram est construit entre le XVe et le XVIe siècle avec l'église paroissiale à laquelle il est accolé. Vers 1880, il nécessite d'importants travaux de réparation et d'agrandissement. Les premiers échanges entre la municipalité et le préfet débutent en 1881, comme en témoigne un plan de la même année. Un devis de 10 000 francs est validé la même année par le conseil municipal. Cette somme passe à 4 000 francs à la suite d'une décision du préfet en 1883 qui demande une baisse de l'investissement communal. Le plan définitif des travaux est approuvé par la préfecture le 10 mars 1884. Le cimetière agrandi doit mesurer 270 mètres carrés. Le devis et le cahier des charges des travaux précisent que le mur de soutènement du cimetière doit être en partie reconstruit et le sol nivelé. Il est nécessaire de remblayer l'ensemble de la surface du cimetière sur une hauteur de 1,50 m. Le rehaussement du sol implique également la réalisation de travaux de réaménagement afin de préserver des tombes et des caveaux de familles illustres comme celui du chevalier Adrien Baralis. D'après le plan du cimetière indiquant les carrés projetés, la superficie totale des concessions créées est de 88 mètres carrés. La plus grande zone étant celle des concessions perpétuelles situées le long de l'église. Les concessions trentenaires sont placées à droite de l'entrée du cimetière. Les concessions temporaires se trouvent sur le flanc sud-est du cimetière. Le 27 avril 1884, deux bons pour accord sont signés par la municipalité de Lucéram. Le premier avec Blaise Virorello pour les travaux à effectuer au cimetière qui avaient alors été estimés à 3 631 francs, et le second avec Ludovic Baralis en ce qui concerne les affiches annonçant les travaux. Une lettre du conseil municipal est adressée au préfet en date du 3 mars 1886. La commune confirme le décompte et le procès-verbal des travaux du cimetière. Les travaux d'agrandissement et de réparation ont en définitive coûté 4 070 francs.